L'école autrichienne d'économie, issue de Karl Menger, se distingue de l'école néoclassique en ce qu'elle rejette l'application à l'économie des méthodes employées par les sciences naturelles, et qu'elle s'intéresse aux relations causales entre les événements plutôt qu'aux mécanismes d'équilibre. Outre Karl Menger, ses représentants les plus connus sont Ludwig von Mises et Friedrich Hayek. La tradition autrichienne se rattache aux scolastiques espagnols du XVIe siècle, école de Salamanque, via les économistes classiques français. Elle promeut le libéralisme non seulement en matière économique mais aussi et plus généralement dans le cadre politique et social. De ce point de vue, Friedrich von Hayek et ses disciples en sont les représentants les plus actifs. L'école autrichienne est très active dans le débat d'idées puisqu'elle s'est successivement opposée à l'école historique allemande, à la suite de la Methodenstrae, à Léon Walras et au néoclassique, aux théories de la conception objective de la valeur et donc à Karl Marx et au socialisme, et enfin à Keynes et aux macroéconomistes. Ces controverses sont encore vivaces et mettent la tradition autrichienne en conflit avec presque toutes les autres écoles de la pensée économique contemporaine.